Dans le cas de jour qui nous est passé là, chers frères et sœurs, apôtre qui parfois arrive à nous oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala contrôle le tout, me trouve, moi, je dirais, en un mot d'élection qui me trouve, et en infini, je dirais, présente ce bilan, il y a un bon candidat et il met ce manifeste. Et dans le jour à venir, pour bien faire dire, jusqu'à ce qu'arrive mardi, le nomination day. Mais, quand vous direz, les musulmans ils trouvent une situation pareille, ils laissent emporter d'une façon qui a lié au fait d'un musulman premier. Au fait d'un croyant en premier. Ensuite, les résvignes. Qui fait, chers frères? Qui fait, chers sœurs? Parce qu'aujourd'hui, Inch'Allah, nous essayons de présenter, nous ici, nous manifestons, nous portons, nous essayons de guetter. Qui nous présentait? Afin qu'il vous comprenne que vous pour prendre une décision. Dans quelle direction vous allez prendre une décision? Nous commençons par nous dire, Ibn Qayyim, rahimahullah, dit à nous, ayat plus juste qui est dans le Coran, c'est ayat 18 de surah 3 surah l'Imran, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Shahid Allah, annahu la ilaha illahu. وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala lui atteste, lui donne témoignage qui peine aucun il a accepté lui tout seul. La ilaha illahu. Sa témoignage là lui est suivi par un ange وَالْمَلَائِكَةُ. Ensuite, les villes de la terre, wa ulul ilm, et ben qui n'a connaissance. Je tous un ensemble pour qui était, après ce témoignage-là, oh, imam bil qist, c'est moi qui vous débute avec la justice. La ilaha illahu, peine aucun il a accepté en moi. Chers frères et sœurs, parmi même quelque chose qui est croyant, l'Église prouve, pas avec son ligier, mais avec son équerre, c'est qu'il peine aucun mode de vie qui est dans la surface de la terre, qui peut montrer au plus de justice, excepté l'islam. Si on trouve l'injustice devant les autres, pose-vous la question, mais comment ça vous a été à l'os? Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir qu'il une cause concernant création insane, après avoir qu'il une cause concernant l'enseignement du Coran, après avoir qu'il une cause concernant l'explication des versets de Surah 55, Surah Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman, allama al-Quran, yonsein Quran, khalaq al-insan. Il fait créer l'insan, allamahu al-bayan, il fait enseigner la bayan. Ensuite, dans l'ayat 7, Allah qui dit Was-sama'a rawaha wa wada al-mizan. Les chiens nous font élever et nous font mettre al-mizan, la balance. La balance ici, ce n'est pas ça qui te servit juste pour peser. La balance est la justice dans toi, insan. Allah te trouve al-mizan, wa aqimul wazna bil-qist, wa la tukhsiru al-mizan. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, fais-toi bien attention, Patrick Iloula. Wa aqimu al-wazna bil-qist. Tout bon poids, qu'il y soit avec toute justice, voilà toxiru al-mizan. Et tu pas qu'aucun dans la justice, tu pas qu'aucun le balance. Après avoir qu'il y fait cause concernant insan, après avoir qu'il s'arrobe là, fait cause avec nous concernant Quran, tout de suite Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous vrai. Après qu'il vient
والنجم والشجر يسجدان ensuite par les autres créatures nous trouvons notre sujet pour Allah qui fait que l'insan il comprend Coran quand il comprend son création depuis qui ça n'a quand il comprend le détail qui est là-dedans excepté il vous connaît première petite chose qui dit besoin des bouts c'est avec la justice Allah subhanahu wa ta'ala chers frères et sœurs il vient envoyer un messager il vient envoyer un prophète. Oui, en premier pour faire maintenant retourner la de Rachouen, c'est Allah. Mais en même temps, les finances voient ce pour faire nous connaître. Nous besoin de vous avec la justice. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans le surah Al-Hadid, ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan liyaqum an-nas bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala dit certainement, nous vient envoyer nous un messager et nous vient descendre ensemble avec autres le livre. Et nous finissons descendre ensemble avec eux, la balance, la justice, pour qu'ils soient capables. Bandimoun l'eau la terre, liyakou manna sabel kust, pour qu'ils bandimoun soient justes l'eau la terre. C'est parmi les petites choses qui aujourd'hui nous peut perdre, frère. C'est parmi les petites choses qui aujourd'hui se tout pour la guerre. Nous assoiffés, nous repouvoir. Mais seulement la question, est-ce qu'il tenait la justice dans toi? Est-ce qu'il me peut soutenir la justice? Est-ce qu'il me peut débouter avec celui qui est dans la justice? Allah subhanahu wa ta'ala adresse directement avec Daoud alayhi salam dans son rassort d'ayat 25 qu'on dit Ya Daoud, inna jahalnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna nasa bil haqq. Oh Daoud, certainement nous faisons une khalifa dans la terre. Nous ne donnons pas pouvoir, nous ne donnons pas l'autorité, mais seulement. Qui te juge parmi Bandimoun avec toute justice. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Daoud alayhi salam, un de ce bon prophète, est-ce qu'il va attendre qu'un prophète pour trahir confiance qu'Allah vient faire lui concernant la prophétie? Jamais, mais seulement le rappel vini. Oh Daoud, même l'autorité de ton l'armée, qui te juge avec toute justice. Quand nous venons de dire dans sa façon, mon cher frère, avant qu'il nous prenne l'île au ban les autres, l'Ibo nous rappelle nous-mêmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui amène nous en premier l'individu. Dans Surah 5, Surah Al-Ma'idah, ayat 8, quand il dit à nous, Ya ayyuhalladhina amanu, o bankina iman, kunu qawwamina lillahi shuhada'i bil qist, wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, o bankina iman. Ô bankina iman, quel que soit parti qui tu étais, quel que soit couleur qui tu étais, ô bankina iman, kounou kawwamina lillahi shuhada'i bil qist, qu'il y soit tous les temps que tu écoutes avec Allah, l'eau la justice. Voilà, yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Qu'il y soit l'ennemité qui te est envers un djimoun. Qu'il y soit la haine qui te est envers un djimoun. Qu'il y soit problème qui te est envers un djimoun. Parfait, t'as une injuste en BLI. Chers frères et sœurs, si nous guettons les systèmes qui nous vivent, si tu n'as pas un travail pour moi, si tu n'as pas de mon parti, si mon parti, est-ce qu'il t'a bien travail? Est-ce qu'il t'a bien promotion? Si tu n'as pas avec moi, est-ce qu'il t'a. Combien de temps nous parler comme ça? Combien de temps nous parler comme ça? Est-ce qu'il nous encore satisfait avec ça? Ou vous changez, qui changement pour amener? Le système, il reste pareil. C'est l'islam qui Allah subhanahu wa ta'ala a amené. À qui niveau? Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, dans Surah 5, dans Surah 4, Surah Nisa, ayat 135, quand il dit nous, Ya ayyuhalladhina amanu, O bankina iman, il réadresse nous. Pour sa qualité qui ligne de nous, qui lui pardonne les autres. C'est sa iman, c'est sa la foi. C'est sa croyance qui nous est là dans lui, qui nous est là pour debout devant lui pour rendre compte. Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamina bil qist shuhada'i lillah. Qui te soit, qui te debout avec toute justice, qui te vienne ban témoin pour Allah. Ensuite, walau kana ala anfusikum, même s'il est contre toi, ou il walidain, même contre tes parents, ou il akrabin, ou bien contre ton proche.